Donc, je veux juste te parler de mettre à l'agenda le prochain mastermind, puis je veux juste être sûr, j'aime mieux le répéter que de passer à côté de la puissance même du groupe et du mastermind. C'est que tous et chacun, vous avez voulu faire de l'investissement immobilier, puis vous avez adhéré au programme des Grands Dauphins pour rencontrer un objectif qui est bien personnel, puis c'est correct, puis c'est noble. Et le succès de cet objectif personnel-là va être en lien avec votre contribution dans le groupe. C'est que plus vous allez investir dans le groupe, le groupe va devenir meilleur. Puis plus le groupe va devenir meilleur, plus vous allez en profiter. Fait que vous pouvez même voir votre investissement dans le groupe comme égoïste. Dans le sens que plus je contribue au groupe, le groupe devient meilleur, puis je rentabilise mon investissement. C'est ça la puissance du mastermind. Il fut un temps, bien avant Jacques et moi, là, où ce que pour avoir de l'eau dans nos maisons, on dépendait d'un puits. Et le puits, ben, l'hiver, dans nos pays nordiques, il gelait. Puis pour réactiver le puits pour qu'il puisse nous donner de l'eau, ben, il fallait mettre de l'eau dedans. Fait que c'est la même chose, là. Fait que les objectifs bien personnels et égoïstes que vous aviez envers vous-même de vous libérer financièrement, puis là, vous vous êtes dit, stratégiquement, je vais joindre un groupe d'immobilier comme le groupe des Dauphins afin d'aller chercher ce qui me manque pour passer au prochain niveau. C'est tout noble, là, puis c'est correct, ces objectifs-là, puis vous allez les atteindre dans la mesure où vous allez contribuer au groupe. C'est toute la force du mastermind. C'est toute la force du groupe. Je vois tout le monde qui veut déjà s'entraider. Il y a déjà du monde qui parle de se rencontrer hors du groupe pour se parler et de se bâtir ensemble. Je trouve ça vraiment fantastique. On vous a choisi pour ça, là, parce que vous aviez la personnalité pour faire partie de ce groupe-là. Oui. Vous n'avez pas cette personnalité-là, on ne vous invitera pas dans les groupes, là. Fait que probablement que les prochains, ils viendront par la porte d'entrée. La porte d'entrée qui soit un programme pour déjà que les gens, bien, quand ils arrivent dans le groupe, ils soient vraiment prêts et vraiment déterminés. Puis vous allez voir, le plus ce groupe-là, il va grandir, plus ce réseau-là, il va devenir plus fort. Puis vous allez vous trouver comme a fait Christophe, un partenaire qui est Mamadou. Puis vous en avez plein d'autres possibilités comme ça. Je sais que Mélanie et Christian vont vous parler. Wolf, il m'appelle à tous les vendredis matin, quasiment à 10 heures. Il se passe quelque chose, puis là, mais c'est à vous maintenant de faire vivre cette affaire-là puis de la faire grandir. Alors, nous autres, Raymond et moi, on ne fera pas les push-ups à votre place, mais par contre, on va vous encourager à les faire. Je voudrais juste dire à Messi que j'ai trouvé qu'elle avait une super belle énergie, puis qu'elle parle bien, tout ça, puis je pense qu'elle peut contribuer beaucoup au groupe. Puis moi, j'avais marqué même dans ce que j'avais à faire, c'est que j'ai écrit, je pense que ce serait vraiment important qu'on s'engage envers le groupe, puis je l'avais même souligné en orange. Puis je lançais la question aux autres, peut-être qu'on pourrait peut-être le mettre sur notre groupe Dauphin, mais comment vous comptez contribuer au groupe? C'est quoi vos apports? Mais moi, j'ai écrit en tout cas que Jacques ou n'importe quel des coachs nous questionne sur quelque chose, ce serait peut-être de répondre. Puis c'est toujours intéressant de voir les réponses des autres, là. Puis aussi, d'écouter les différents webinaires qui se rapprochent de ce qu'on veut, puis d'aller commenter. Là, ce serait intéressant qu'on participe plus sur le groupe. D'ailleurs, on peut un peu remercier Christian parce que la dernière visite qu'il a faite avec moi, il a vraiment détaillé comment il a perçu les choses. C'est important parce que c'est déjà important pour vous. Faites-le déjà pour vous, là, comme dit Raymond. Faites-le pour vous parce que déjà d'écrire, de formaliser, puis d'expliquer aux autres, c'est déjà augmenté sa connaissance. Tu es d'accord avec moi, Christian? Absolument. Quand tu as fait ça, tu as juste appris plus. Puis en plus, vous le partagez avec les autres. Dites-vous que si les autres ils font la même chose que vous, là, ben vous allez bénéficier de leur expertise en même temps, de leur expérience, du moins.